Bonjour, bonjour, bienvenue chez Kalman Levy. Alors, donc, Les Sœurs de Montmort, c'est un thriller psychologique qui se situe dans un petit village qui est perdu. C'est le village de Montmort, qui est le diminutif de la montagne des morts. Puisqu'au XVIIe siècle, il y avait des procès en sorcellerie qui ont eu lieu là-bas. Et c'est depuis la petite montagne qui surplombe le village que l'on jetait les soi-disant sorcières. Un nouveau responsable de police va être muté dans ce village. Et il s'attend, en arrivant, il s'attend à trouver un village un peu austère, un peu vieillot, un peu délabré. Mais c'est tout le contraire, il va découvrir des rues vraiment très propres, très sécurisées, avec des caméras un peu partout. Quand il rencontre le maire, qui est aussi le propriétaire du village, puisque Montmort est un village privé, le maire va lui demander d'enquêter sur la disparition de sa fille, qui a eu lieu 10 ans auparavant. Et sa fille a été retrouvée donc en bas de la falaise, en bas de la montagne des morts, au lieu exact où jadis les sorcières étaient sacrifiées. Et de là, le policier va découvrir certaines vérités. Et surtout, il va se rendre compte qu'à Montmort, on croit très fort aux sorcières du passé. Bien sûr, Montmort, diminutif de la montagne des morts par rapport au procès en sorcellerie. Et les sœurs, puisque au XVIIe siècle, quand une femme était reconnue sorcière, non seulement on la jetait de la falaise, de la montagne, mais on jetait également avec elle ses enfants. Et l'une des plus célèbres sorcières de Montmort donc, avait 3 filles. L'idée de ce livre, ben comme pour chacun de mes livres, je pars sur un décorum. Là, je voulais faire un récit qui se passait dans un village, dans une ville de village. Comme je suis originaire du Berry, qui est une terre de sorcières, j'ai vraiment voulu apporter un peu de mon passé, du folklore de ma région natale dans ce récit.